Donald Trump ne fait pas dans la discrétion. Connu pour ses sorties médiatiques et ses déclarations houleuses, l'ancien président américain s'apprête à faire à nouveau parler de lui. Comme le rapporte l'Express UK, le magnat de l'immobilier dévoilera dans un livre, à paraître ce mardi 25 avril, ses correspondances avec des chefs d'État et des personnalités connues. Parmi elles, ses échanges avec l'ancien premier ministre britannique David Cameron, la princesse Lady Diana, ou encore le producteur de musique Simon Cowell et même le président russe Vladimir Poutine. Charles III n'est pas épargné. L'époux de Melania Trump a intégré dans son livre la lettre que le roi d'Angleterre lui a écrite en 1995. Un courrier dans lequel le souverain le remercie pour le statut de membre honoraire au centre de villégiature de Mar-a-Lago, en Floride, souligne nos confrères. Celui qui est encore prince Galles souhaite à Donald Trump de réussir dans son nouveau club privé ouvert après l'achat d'un manoir que le fils d'Elizabeth II souhaite visiter. L'ancien locataire de la Maison Blanche y dévoile également une lettre signée de la main de Lady Diana, datant du 3 juillet 1997. Supérieur à supérieur à Charles III, roi dandy, l'homme le mieux habillé du monde quand Donald Trump trouvait très ennuyeux Charles III, elle y remercie à son tour l'homme d'affaires pour les fleurs envoyées à l'occasion de son anniversaire. Elles sont vraiment magnifiques et je suis profondément touchée que vous ayez pensé à moi de cette manière spéciale, lui écrit la maman des princes William et Harry. Reste à savoir si Buckingham Palace a été informé de la divulgation de la lettre de Charles III que Donald Trump ne porterait pas dans son cœur. Dans son livre Il Take Your Question Now, What I Saw at the Trump White House, paru en octobre 2021, Stéphanie Grisham raconte la rencontre entre les deux hommes en juin 2019, à Clarence House à Londres. Ancienne porte-parole de la Maison Blanche, elle révèle que celui qui était chef de l'État n'a pas apprécié la compagnie du prince qu'il trouvait très ennuyeux. Contrairement à Melania Trump qui aurait passé un moment charmant. Sur le plateau de Good Morning Britain, Donald Trump revient sur cette entrevue, une discussion de 15 minutes devenue une conversation d'une heure et demie au cours de laquelle le souverain aurait monopolisé la parole. Crédit photo, agence.